Bonsoir à tous et à toutes, ici Maître P, gardien de la tradition. Que le Créateur et les mains de nos ancêtres nous accordent la santé et la vie. Une bonne santé de faire une longue vie. Ici Maître P, gardien de la tradition, avocat des femmes, mesdames. Avocat des femmes, mentor des femmes, mentor des hommes. Bienvenue sur votre chaîne Secret pour les femmes. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement la vidéo parce que quelqu'un, ça peut être utile pour la personne. Et surtout, abonnez-vous. Messieurs, dames, bienvenue sur votre chaîne, Secret pour les femmes, prenez votre petit carnet, écrivez. Nous parlons tous de réussite, de succès, d'étoiles, de magnétisme. Vous savez, nous sommes tous faits d'énergie. Et l'énergie, c'est ce qui vous fait avoir une bonne énergie comme une mauvaise énergie. Je vais vous révéler un secret. Quand les gens parlent, ils disent que mon étoile ne brille pas. C'est parce que vous êtes sali. Mais il y a quelque chose qui sera un blocage pour empêcher les mauvaises ondes de venir sur vous. Et faites ça. Vous avez besoin simplement d'un miroir. Un petit miroir. C'est un petit miroir, 10 sur 10. Un petit miroir. Et une photo de vous. Une photo d'identité. Pendant 7 matins, si vous êtes une femme. Et 9 matins, si vous êtes un homme. Avant de descendre du lit, avant de parler à quelqu'un. Vous achetez un miroir d'abord. Un petit miroir, mais vous ne regardez pas dedans. Vous l'achetez, peu importe la couleur du miroir, un petit miroir. Vous ne regardez pas dedans et vous avez déjà une photo de vous récente, une photo d'identité. Et mesdames, essayez d'éviter de mettre des effets spéciaux sur la photo. Donc allez chez le photographe, faites une photo d'identité sans effet. C'est-à-dire vous, naturel. Et essayez d'éviter de mettre du maquillage sur vous. Soyez vous-même, soyez naturel. Messieurs aussi, soyez naturel. Parce que le maquillage présente un autre individu. Donc, vous avez votre photo d'identité. Vous avez votre petit miroir. Quelle que soit la lune, là nous allons marcher sur des transits planétaires. Quelle que soit la lune, ça marchera. Vous allez vous réveiller un premier matin. Pour les femmes, c'est 7 matins. Pour les hommes, c'est 9 matins. Vous prenez votre petit miroir, vous êtes sous votre lit avant de parler à quelqu'un, très tôt le matin. Vous regardez votre petit miroir et vous allez parler. Vous êtes de la même façon, je vois mon reflet. La même façon, je vois mon visage. Je me vois bien. Et vous-même, vous souhaitez comment vous voulez vous voir. Vous dites, ah, je suis beau, je suis belle. C'est de toute la façon que vous voulez que les gens vous voient. Vous prononcez ça en vous regardant vous-même. Ce que vous dites, c'est comme ça les gens vous verront. Alors, faites attention. Ce que vous allez décrire avec votre reflet dans le miroir, c'est comme ça. Ah, tiens, je suis un beau garçon, je suis une belle femme. Ah, j'ai de beaux cheveux. Vous parlez, vous dites ça. Et quand vous avez fini, vous soufflez. 7 fois, si vous êtes une femme sur le miroir, 7 fois, et vous mettez le miroir face en bas, vous le déposez sous votre oreiller. Si vous êtes un homme, vous prenez le miroir, même chose le matin avant de parler à quelqu'un, vous regardez dedans et vous dites la même chose. Quand vous avez fini, vous soufflez 9 fois dessus, vous déposez. Vous faites ça pour les femmes, vous le faites pendant 7 matins, pour les hommes, vous le faites pendant 9 matins. Donc, pour les femmes, le 7e matin, vous prenez la petite photo d'identité avec un peu de colle. Vous mettez un peu de colle dans les 4 points, pointe, et un peu au milieu. Et vous collez ça au milieu du petit miroir. Et ce petit miroir-là, vous le mettez quelque part, mais visible. Visible dans la salle, bien dans votre chambre. Vous le mettez de façon à ce que même quand vous réveillez, bien vous marchez dans la maison, que vous voyez le miroir et qui est la photo collée au milieu. Ne le mettez pas pour que ça soit caché. Vous le mettez pour que ça soit visible. Même si quelqu'un le voit, ça c'est vous êtes chez vous. Donc c'est ça. La personne le voit, ça c'est son affaire. Elle peut aller parler, mais ça c'est chez vous que ça se trouve. Mais ça dans votre chambre, ou bien dans votre salon, peu importe, mais pas dans la salle de bain. Chambre, salon, c'est tout. Mais pas dans la salle de bain. Donc les hommes, c'est le 9e matin, ils prennent la photo, 4 points de colle sur la photo. Et 5 points de colle, ils mettent ça au milieu de la photo, c'est de leur visage face à eux, ils collent ça au milieu du miroir, du petit miroir. Et la même chose, une fois c'est fixé, vous fixez ce miroir-là quelque part dans votre chambre ou dans votre salon, salle à manger. Vous verrez que il y aura ce que vous avez demandé, comment vous voulez être, l'effet est imminent. C'est de plus ça reste là. Et de temps en temps, quand vous passez, vous faites un petit coup de dessus. Vous dites, ah, tu es belle, hein? Tu es très belle.
ce que vous dites, parce que la parole, c'est le verbe. Et le verbe, et au commencement, était le verbe, et le verbe était la parole. Donc faites ça comme ça, c'est une rigueur, ça ne ment pas. Et vous verrez une ouverture, l'ouverture tout le temps. Chaque fois que vous passez vos règles de noir, vous faites un petit compliment. Ah, vraiment, tu es beau, vraiment, tu es beau. Et puis en plus, il y a une grande réussite qui s'annonce pour toi. Dans les jours à venir, tu vois telle chose. Vous parlez à vous-même. Le reflet, le résultat est spectaculaire. Ça fait partie du haut niveau de la science. Haut niveau de la science. Le résultat, faites-le et vous me direz, mais P, comme d'habitude, nous donne toujours des choses qui sont dandy et nulles par ailleurs. Sous ce que le Créateur et le man de nos ancêtres nous accordent la santé et la vie. Une bonne santé de faire une longue vie. Ici, mettez P, gardez la tradition. Prenez soin de vous. Restons en vie.